tu vois, sinon. On va se mettre en route, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, ouais, let's go. On va aller chercher des bois, on va attaquer l'agence. Aujourd'hui, on se réserve un petit créneau de la journée pour aller bricoler dedans, chercher le matos. Et puis, on a eu les plans de l'archi avec ce qu'il nous a dit de faire, les consignes qu'on doit bien respecter avec les cotes, les métrages, les trucs, pour que ça soit vraiment ancré au bon endroit, avoir les toilettes de la bonne distance et tout. Et on va aller chercher des bois pour faire une ossature, une structure, qui va pouvoir porter après le gitage de l'étage, sur lequel on va retrouver les archives de l'agence. Donc ça rigole plus, hein. Non, je rigole, c'est pas très haut, c'est juste pour mettre quelques cartons empilés les uns aux autres. Et on va devoir faire une trainie aussi. Donc une trainie, c'est une ouverture dans un gitage bois comme ça, pour pouvoir monter et descendre, et mettre un escalier de meunier. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est l'escalier avec l'échelle. Alors c'est bien, c'est que Lucas, il fait des grimaces. Genre, putain, c'est quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est un escalier avec une trappe qu'on claque au mur, ah, ouais, au plafond. Donc on voit plus rien, tu l'ouvres et ça fait une échelle en trois pans. Et après tu peux monter, redescendre, et au moins t'as pas besoin d'autre échelle. On va faire ça, j'ai un peu de câble aussi. Donc je dois avoir 100 mètres. Je vais récupérer aussi ce que j'ai fait dans notre chantier à moi. On risque de mettre quelques prises, quelques lumières pour pouvoir y voir clair aussi. Ouais. Gros travail aujourd'hui. Enfin, gros travaux, je dirais même. Bah, l'activité commerciale, elle est vachement calme. Donc, ça sert peut-être à rien de sortir, pour rien faire, pour être productif. Alors que là, on doit avancer sur l'agence. Donc, on est en train de commencer à mettre les sabots au mur. Donc, c'est les premiers ancrages pour prendre les bastons de bois qui vont faire le gitage de l'étage. Donc, un étage, mais bon, c'est un petit étage. Hein. On voit qu'il y a les Léons qui viennent d'être posés. Ce sera pour les combles, archives, ce genre de choses. Et là, on va pouvoir se mettre à niveau sur le niveau qu'on voit ici. On va remettre encore un sabot là, encore là-bas après, encore après. Et après, on va s'arrêter et après, on va mettre la cloison centrale qui va être ici, qui va séparer encore la partie garage de la partie de... Tout là, comme ça. Ouais. Donc voilà. Bon, allez. Bon, à toutes. Hein. Ouais, on va peut-être montrer des petites images vite fait. Faut qu'on avance. Allez, c'est parti. Petite pause déjeuner. La deuxième session de la journée des travaux a commencé. Donc, on finit de poser les bois de la structure qui va pouvoir accueillir encore une fois l'étage. On est en train de bricoler tout ça, ça prend un petit peu de temps parce que c'est des coupes assez longues et assez lourdes, donc à manipuler, à bouger, à bien fixer, à bien mettre à niveau, etc. Ça prend un peu de temps. On a aussi reçu, j'ai du mal à parler mais je suis en train de manger, j'ai aussi reçu la nouvelle campagne publicitaire pour les fêtes de fin d'année. Alors je sais que c'est un petit peu tard mais bon, on va se dépêcher de carter tout ça. On va pouvoir distribuer ça aux plus grandes villes et aux plus nombreux de boîtes aux lettres possibles sur les secteurs où tous les négociateurs sont en train de travailler, justement les communes. Donc ça va être sympa. On va pouvoir faire de la pub aussi sur la chaîne YouTube, donc on espère avoir un petit peu plus de retour aussi. Et sur tous les réseaux sociaux, on verra bien ce que ça va donner. Et il y en a un prochain qui arrive aussi pour parler un petit peu du vélo qui était à gagner aussi. Alors, je suis rincé. Pareil. Donc alors du coup, un petit bilan de la journée. Un petit bilan de la journée. Là, c'est la conclusion de la fin. Ouais. L'électricité, elle fonctionne. Voilà. On a mis le courant. Et en fait, c'était juste un départ qui n'était pas bon. Après, tout était bon. Et d'ailleurs, il faut refermer encore un œil. C'est un peu le bordel à débarrasser aussi, hein, mon grand ?
Ah, ça fait du bien d'avoir bu un. Donc là, on est dans le bâtiment. Ça fait du bien de boire un coup, franchement. Il fait pas très froid, il fait plutôt bon, il fait 8 degrés je crois dehors, mais par contre il y a un taux d'humidité qui est fou. Il y a même plein de brouillard, un petit peu partout. On voit pas grand chose aux alentours, c'est un peu chaud. Donc là on a fini l'ossature principale. Par contre vous allez dire bah putain, bah, pourquoi il passe pas sur autre chose? En fait on est obligé de faire des longs ronds comme cela là. Tac. On va en mettre un là-bas, là il y a un sabot qui a été posé pour en mettre un là, tac, entre les deux. Et en fait ces longerons là c'est pour venir poser le sol. Sol qui est arrivé, qui est ici. Donc qui va être posé sur l'étage. Donc l'éclairage de l'étage, donc on voit bien que c'est au-dessus, a été posé aussi. Bon, c'est quand même quelque chose. Premier coup de planche de sol sur les combles. Pouvoir aménager par la suite. C'est toute une émotion qui est en train de se mettre en place. Bon voilà, on arrive sur la fin. Comme on peut voir, c'est un gros bordel de câbles, mais le tout va être bien aligné ici et ça va repartir sans qu'il y ait dans tous les différentiels du tableau. Il y aura trois lignes, donc chauffage électrique et tout. Et donc tout est à commencer de passer, tous les câbles, on les voit un petit peu là. Il y en a plein partout, 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 partout. Et tout n'est pas fini. Il reste encore 2-3 bricoles à faire. Mais bon, la suite, prochain épisode. Salut tout le monde, donc là ce matin on va passer à la mairie vite fait avant de décoller pour l'agence et puis bricoler un petit peu. On va déposer aussi les flyers de la nouvelle campagne d'hiver qui arrivait pour les fêtes de fin d'année. En tout cas il a voulu en prendre un mais c'est encore dans le plastique. Dans le carton, ouais. Ça aurait été la galère de l'ouvrir et de le montrer. Mais juste pour vous dire que, alors pour vous donner une idée, hein, dimanche c'était hier, l'archi est passé à la maison pour juste valider des trucs au niveau des avancées des travaux et par rapport à son emploi du temps il n'y avait pas d'autre possibilité de passer. On a refait un point là ce matin sur tout le dossier. Ça là, ce que vous voyez là, c'est ce que je dépose. C'est ce que je dépose à la mairie. À la mairie, juste en autorisation, permis. Alors c'est permis de construire, demande de poste d'enseigne. Rénovation aussi sur le bâtiment total et avec aussi vous savez passage au public et tous ces trucs là qui vont bien là. Tout on dit les accès PMR, donc c'est pour les mobilités réduites et puis faire en sorte que le bâtiment il soit justement accessible à ça. Bon, et t'as craché à l'intérieur. Ah non. Ouais c'est ça. Ah là, c'est toujours que l'enfant. Et délabré. Hein? Il est honteux. Et miteux aussi. Enfin, c'est un mythe. Bon, après, il sert bien quand même. Hein. Ouais. Il rentre sa c'est ça. Et sa fonction, c'est pas trop de ça. C'est ça. Salut tout le monde. Il est 2h30, il est dimanche. On est parti pour attaquer les suspentes du plafond. Ça va être un petit boulot un petit peu long. Ça va être éprouvant parce qu'il va falloir monter à l'échelle, descendre à l'échelle, monter à l'échelle, descendre à l'échelle. Et faire des lignes et des lignes à niveau pour que tout reprenne comme il faut avec le rail qui vient se mettre pour que les placos viennent se poser dessus. Donc, vous allez voir, ça va être un truc... assez titanesque et beaucoup de vis de poser. Je vais dire. Là, j'ai 150 suspentes et je pense qu'on va en mettre 4 faciles. Donc, il y a au moins 1000 vis qui vont partir. Donc, allez, c'est parti. C'est parti. Je vais essayer de vous montrer ça en accéléré et tout. Ça va être un peu sympa. Mais bon, ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Souhaitez-moi bon courage. Allez, des bisous.
Alors, pour tous ceux qui connaissent bien le bâtiment, on vient de tout débarrasser. Donc on a tout débarrassé. On vient même de commencer à fermer le bâtiment avec des fenêtres. Donc là, il y a un linteau qui va être fait encore pour reprendre le niveau parfait. Donc là, forcément, il y a un petit peu de flotte qui s'est mis parce que le linteau est un petit peu plus bas à cet endroit-là que le niveau, mais on va gratter pour que justement ça revienne à niveau. Et comme vous le voyez, là, là-bas, là-bas, là, ici, là, partout, et ben on a fini, on a enfin fini. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Là, les suspentes, la plupart sont faites. Il en manque encore ici, mais on va le faire à la ficelle. Parce qu'au laser, c'est un peu compliqué sur cette partie-ci. Donc la moitié est faite en... Comment on appelle ça déjà? En suspente. Donc il n'y a plus que le rayage à mettre avec l'isolant. Et là, on va refaire la même chose pour ce côté-ci. Et on a même fait l'ouverture du mur. Alors on ne le voit pas vraiment bien. Il y a encore des petites finitions à faire. Il y a un chéneau qui est ici. Pareil, le chéneau a des petites fuites pour l'instant. Donc c'est pas bien grave, hein, parce que ça vient d'être posé, donc c'est le temps qu'on fasse les réglages et tout ça. Je vais peut-être vous mettre de la lumière, j'en ai. Autant en profiter. Voilà. Donc pour vous montrer, il y a encore une petite trace d'humidité là. Là, c'est juste sale, hein. Ça c'est pas un champignon ou un truc comme ça, c'est juste sale. Et voilà, pour montrer un petit peu qu'il y a eu un petit peu de flotte aussi. Mais bon, en ce moment on est sous la tempête, donc c'est un petit peu compliqué. Bon. Je vais découvrir les avancées. Alors déjà, il y a des nouvelles fenêtres, nouvelles portes. Ah ouais, en effet, ça a bien avancé. Ouais, ça a bien changé. Le tableau est fini d'être branché. Ah oui, t'as tout mis... Enfin, t'as tout bien mis, quoi. C'est mon pote qui est passé et qui me l'a fait. Ça fait plus propre que tantôt, ouais. Quand tous les tuyaux. Ils... Et donc, du coup, ça, c'est quoi ce que tu as posé là? Les trucs comme ça? Des suspentes. Des suspentes pour mettre des rayages comme à côté. Ouais. Et les rayages, c'est sur ça que tu viens poser ton placo. Donc, ça ton placo, tu le vises au rayage. Ouais, la batterie n'avait plus de batterie. La batterie n'avait plus de batterie, ouais. C'est ça. Troisième faux départ, ça fait trois fois qu'on recommence. J'ai fini mon café, tout à l'heure il était là. Bref. Donc on disait oui, beaucoup de rendez-vous commerciaux. Par contre en ce moment, beaucoup de Covid, mais vraiment beaucoup de Covid. Là c'est pareil, on avait organisé une séance de visite pour un bien qu'on a sur le secteur de Lille. Et on s'était organisé sur une journée et apparemment les locataires seraient porteurs du virus. Donc du coup, on va voir comment on va s'organiser, mais c'est vrai que ça risque de reprendre encore un petit peu de temps et on risque de redécaler tout ça. Donc c'est un petit peu chiant, mais bon, ça nous permet d'avoir un petit peu de temps aussi pour bosser ici. Et du coup, on a quand même bien avancé, moi je trouve. Là, on commence les isolations. Et le plus chiant, c'est de repérer chaque câble et de les faire bien sortir. Ouais. Il y a plein de trucs, il y a le réseau internet, il y a le réseau électrique, il y a le réseau interne. Du bâtiment, il y a des caméras de surveillance. Voilà, l'isolation, on n'a pas lésiné. Hein. Et Lucas a compris ce que c'était que de la laine de verre et laine de roche. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi? Ben, je suis en train de connecter. C'est une pieuvre électrique. Une pieuvre électrique qui envoie après sur des prises. Et ça, on va mettre ça demain. Donc les câbles, tu vas les mettre dedans? Ouais. Putain, mais même pour le faire passer dans le... On est quoi, Lucas? Non, bah je pensais que ça allait être plus compliqué de le faire passer à l'intérieur du bois chez Blanc, mais on dirait que c'est plus simple. Voilà. Et donc là, du coup, ça... Non, dis-le que je suis bon. Du boulot, toi, qui t'attends? Je montre aux viewers. Aux abonnés. Aux abonnés. Tu montres ça au... bien. Aux 14 personnes qui nous suivent. D'ailleurs, je salue les 14 personnes qui nous suivent. Merci de nous suivre, c'est très gentil. J'espère qu'on vous divertit, enfin, qu'on vous divertit comme il faut. Si j'emploie pas les bons verbes et les bons. Pourquoi 14 d'ailleurs? Parce que je sais plus, la dernière fois que j'avais regardé, il y en avait 14. Non, il y en a 41. Bon bah.
Bonjour au 41. Au 31 autres. Enfin, au 21 autres. Qui sont arrivés. Au 27 plutôt. C'est 27. Ouais, écoute, je suis en train de me battre avec mes fils. Je peux pas faire des calculs mentaux. Mentaux, des calculs mentaux et. Mais en vrai, ça va. Mais ouais, et en fait, ils sont durs hein, les câbles. Hein. Tu sais, quand tu me vois faire ça, faut que je les chamboule un peu. Alors. Là, on les sépare tous, tu vois. Enfin, on les rassemble tous. Pour ouais. Et après, on va les mettre tous ensemble. Ah, donc, c'est pas comme Emmanuel hein, qui fait des maisons et tout. C'est qu'on va. En fait, chaque couleur est connecté dans le même bord, dans la même chose. Ok. J'allais dire autre chose, mais on va le garder. Donc là, il y a eu un bug informatique, donc on va pas retrouver la fin de la vidéo qu'on était en train d'évoquer avec justement la pieuvre électrique et l'idée du wago. Donc les wagos, on les retrouve, ils sont ici. Donc les wagos, c'est ce qu'on mettait. Donc on met le premier fil qui vient ici, et en fait, ça alimente tout le reste des fils comme une multiprise. C'est un peu la même logique. Et on fait ça sur toutes les couleurs. Donc on est parti sur la terre, sur la phase et sur le neutre. Et du coup, on en met 3 et les 5 rentrent dedans. Il y a l'arrivée qui arrive, il y en a un qui repart pour aller alimenter autre chose et les 3 sorties des prises qui sont ici. Donc voilà, c'est logique. Mais bon, je vous expliquerai ça peut-être en plus en détail quand on fera des prises en les montant directement sur l'appareillage. L'appareillage, c'est la prise dans laquelle on se branche. Donc voilà. Et je vais vous montrer encore autre chose parce que là, on va arriver sur la finalité. Donc le bâtiment, les suspentes, c'est ok, c'est fait, on l'a refait 10 fois. Hein. Je confirme. Tu confirmes, c'est un truc. Et encore, non, 10 fois, t'es gentil. Ouais, 10... Parce qu'en fait, on en bouge une, ça rebouge tout le reste de la structure, donc on est reparti pour tout revisser, pour tout revoir, pour tout reprendre à niveau, et on revisse, et on revisse, et on revisse. Ouais. Donc quand on parlait de 1000 vis et de 1000, enfin, de 250 suspentes, parce que divisé par 3, 4, et ben en fait, on l'a fait plusieurs fois, donc on peut dire qu'on a presque. Ah ouais, fait, non, franchement, ouais. On a dû faire 2000 vis, je pense, au moins. Ah oh bah, facile. Facile. Donc le plancher est fini aussi, tout est fini. Là, on voit que c'est quand même bien isolé aussi. Donc, c'est-à-dire que quasiment tout le mur est fini. On va aller rechercher de quoi faire des petites coupes pour venir boucher les trous qui restent encore. On a débarrassé un petit peu, on a mis un coup de balai et tout, c'est plutôt bien. Et je vais vous montrer un truc trop bien. Venez voir. Voilà. Attention. Regardez ça. C'est pas beau ça? Donc, ça. C'est le tableau électrique auquel on va, qui va alimenter toute l'agence immobilière. Donc pour l'instant, il n'est pas bien identifié parce que c'est des trucs qui sortent de maisons domestiques traditionnelles. Donc on va retrouver la plaque de cuisson, le lave-linge, les prises, l'éclairage. On va reprendre genre l'éclairage en mettant vraiment l'éclairage. Mais par contre, vous voyez, four, il y en aura un dans la cuisine. Plaque de cuisson, il y en aura une aussi. Un lave-linge, j'en ai pas. Donc à la place du lave-linge, ce sera peut-être un lave-vaisselle ou un truc comme ça. Donc que des trucs logiques. Et vous voyez tous les câbles arrivent ici et on n'a pas encore fait le réseau internet ni le réseau de télécom et ça c'est tous les câbles qu'on voit arriver là ici. Donc il y aura encore un boîtier qui va ressembler à ça qui à mon avis va être mis sûrement ici ou peut-être ici, ça prend beaucoup moins de place mais tout va être alimenté ici, l'arrivée, la box, le truc, les disques durs aussi de tout ce qui va être vidéosurveillance et tout ça avec la baie de brassage. Les gens techniques savent de quoi je parle, mais c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui savent pas. Donc voilà, bah ça avance tout doucement. On va refaire un deuxième épisode, je pense, où on mettra plus les placos, les trucs comme ça, vous montrer les enduits et tout. Alors on fera des visites, enfin des vidéos accélérées, parce que ça prend trop de temps, c'est un truc de fou. Et Regarde la vidéo, elle fait 23 minutes, c'était 2 semaines de travail. Hein. Ouais, c'est ça. L'objectif qui était de finir l'agence en 2 mois et demi, pour l'instant on est bon sur le planning. On devrait être bon sur le délai. Et quand on voit ce qu'on a fait, en fait, ça peut paraître encore énormément de travail, mais le plus dur, il est fait. Là, on a vraiment fait le plus dur. Après, on va être sur la finition, les trucs comme ça, donc ça pourra prendre le temps que ça prendra, mais voilà. Et le plus long aussi, c'est la porte d'entrée qui est très très longue à arriver, parce qu'on a commandé. Mais quand on voit les délais des constructeurs, on ne sait même pas quand est-ce que... Enfin, ils ne les respecteront pas, c'est pas possible. Et ça fait des mois qu'ils nous bassinent avec ça, donc on y croit pas. Donc voilà, bah j'espère que ça vous plaît, puis je vous dis à très bientôt, et j'espère que le générique, le nouveau générique va vous plaire.